est dans le bureau de du directeur général. Bureau du grand DG. Donc ils sont au bureau du directeur général avec toute l'architecture qu'il y a derrière, le design, la peinture et tout. Entrepreneur au Cameroun qui fait des choses très intéressantes. Plusieurs d'entre vous le connaissent certainement. Allons, suivez-moi. Wow. 8%, bonsoir. Comment vous allez? Est-ce que monsieur Romain est là? C'est ici, je suis. Qui ai-je à voir, s'il vous plaît? J'ai dit que le docteur Emmanuel de Distabo est là. D'accord. Docteur Emmanuel de Distabo, je vais vous voir. D'accord. Monsieur, prenez celui, s'il vous plaît. Ah. Il est là? Oui, il est là. Athéna, oh, le grand Romain Athéna. Ouais, donc comment? Le meilleur journaliste web que connaît le Cameroun, qui a la chance d'avoir ce pays. Ouais. Mais là, tu as un gros projet. Quand tu m'en parlais, je n'imaginais pas que c'était comme ça. Oui, on a quand même essayé de mettre des petits plats dans les grands dans les grands planètes les plus grands encore. Parce que là, il n'y a pas de petit plat ici. Hein. Bon, c'est D-E-D-E-S. Oui, D-E-S. Qu'est-ce que ça signifie? Divine Events and Services. Donc, nous sommes spécialistes. Divine, ça vient de Dieu, quoi. Oui, oui. Wow. Un peu compliqué que tous les événements et les services que nous touchons, nous les rendons un peu comme divins. Nous les supprimons. Vous connaissez la chanson? Il y a Dieu, des gars et... Oui, exact. C'est ça. Donc, c'est aussi ça qui nous a guidés à mettre sur pied ces structures. Et nous prêchons justement par un cadre très modestement moderne que nous allons perfectionner encore et encore. Est-ce que vous pouvez me faire visiter? Ben oui, avec plaisir. Déjà, ici, on est dans le bureau de la... Bureau du grand DG. Donc ils sont au bureau du directeur général avec toute l'architecture qu'il y a derrière, le design, la peinture et tout ce qui va avec. Vous pouvez voir ici le logo personnalisé. D-E-S. Voilà, quand vous entrez. Naturellement, toute la peinture et tout le majestueux décor qui est fait pour. D-E-S, ça peut signifier beaucoup de choses. Hein. Oui, bien sûr, bien évidemment. Divine Events and Services. Voilà. Nous faisons dans l'événementiel, la sonorisation et les services. Et quand on parle de services, ça englobe plusieurs choses. Ça englobe le commerce général, ça englobe l'import-export, ça englobe également l'immobilier. Donc, on peut aussi faire dans l'import-export. Bien évidemment, dans l'import-export. Ça, c'est intéressant, on peut faire un partenariat. Absolument. Avec tout ce qu'on fait avec la Turquie. Tout à fait. Voilà. Alors, ça, c'est le bureau de la direction générale. Ici, c'est le bureau de supervision. Il n'est pas encore entièrement, mais totalement installé. Mais on va parfaire tous les éléments progressivement. Le bureau, on va améliorer. Là, on a une chaise, une autre responsable qui travaille en ce moment avec ce paquet de personnes. Donc voilà, on y va tout doucement et très beau. Très. Bon, ici, naturellement, c'est des toilettes. Ici, c'est des toilettes. On est abattu un travail là. Exactement. Ah, c'est ici, on a donc le secrétariat. C'est notre pièce fétiche. Pourquoi c'est notre pièce fétiche? Parce que quand vous entrez dans un bureau,
il faut qu'on ressente quand même l'envie d'être dans un espace assez viable. Ouais. Et qu'on ressente que, voilà, on peut... Mais j'ai vu là tout à l'heure quand je suis arrivé, on reste allé ici, c'était trop cool. Voilà, exactement. Comment on est venu vous chercher? Tout à fait. Et si nous sommes dans notre secrétariat, c'est ici, avec Paul Zoulin, qui est notre secrétaire de promotion, ça a été chargé de suivre beaucoup de dossiers au sein de l'entreprise, également les déplacements, les mouvements et tout ce qu'il y a à faire. Et au courant de tout ce qu'il y a à faire. Et elle est également chargée de recevoir. C'est l'heureuse gagnante qui te gagnait. Oui, absolument, voilà. Bravo! J'ai vu ça en ligne. Oui, exact. Donc ici, c'est notre petite salle d'accueil. Il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer et nous attendons à ça. Et vous avez le reste des dossiers de ceux qui n'ont pas gagné? Oui. Vous avez des dossiers intéressants, vous avez impliqué aussi des dossiers là-bas, parce que j'avance aussi que je fais ça. Je me souviens, j'avais reçu sur Facebook au moins. C'est hier que j'ai ouvert mon Facebook. On a reçu tellement de trucs. On a reçu pratiquement 200 demandes. Waouh! Oui, oui. J'ai dit à quel point les gens sont à la quête. C'est énorme, énorme. Sont à la quête du boulot. Bon, ici, c'est notre modeste salle logistique. C'est ici qu'on parle de tout notre matériel. Non, tout ce qui va. C'est la salle secrète du matériel. Oui, la salle est vraiment secrète. Allez, va voir la salle secrète du matériel, papa. On va voir, bien, non. Ah oui, non, c'est moi, je viens voir. Voilà, je viens voir pour vous. Voilà, exactement. Ok. C'est ça. Vraiment, merci. C'est moi, là. Et vous avez donné vos couleurs, c'est-à-dire du jaune et du bleu. Oui, du jaune et du bleu, essentiellement, parce que dans le décor, en fait, on a voulu mettre le jaune en bas, c'est une couleur or, pour magnifier un peu le travail de la peinture qui a été fait ici. Mm-hmm. Donc ça fait que ça vient ajouter un autre ton aux couleurs que nous avions déjà, qui est essentiellement bleu-noir. Bleu-noir et voilà, on a mis un peu l'or pour donner une touche encore plus sublime déjà à notre logo qui, de par son expression, a quelque chose de divin. À quelque chose de divin essentiellement. Et ça fait que, voilà, on a voulu travailler dans ce sens. Et très modestement, on fait nos pas, tout doucement, très progressivement. Ah, c'est pas modestement. C'est pas modestement. Monsieur Romain, vous n'allez pas me tromper. Ça, c'est énorme. À la place de modestement, je dirais très énormément. Okay. Donc ça nous fait énormément plaisir de savoir que tu es aussi ici. Donc ça nous fait énormément plaisir, vu c'est nos liens, vu nos... C'est à moi, tu es mon frère. Mais moi, je te retrouve tout transformé là. C'est-à-dire que du meilleur journaliste web au Cameroun, plusieurs fois dans les avants de Canal d'Or, tout ça, vous êtes passé partout, vous avez vu plein de trophées, plein de décorations, sans compter vos interviews qui sont les interviews au Cameroun sur le web les plus regardées. Il n'y a pas un journaliste au Cameroun qui atteint vos audiences, les audiences que vos interviews atteignent sur les réseaux sociaux, sur YouTube et partout. Je ne le dis pas au hasard, j'ai vérifié. Donc, voilà, il n'y en a pas. Et vu la pertinence même des sujets. Mais là, je vous retrouve ici maintenant en entrepreneur. Oui. Comment vous pouvez expliquer cette transformation-là? Non, c'est pas, en fait, c'est pas une transformation. Pas une transformation, c'est une continuité. C'est une continuité parce que même quand j'étais journaliste, j'intervenais toujours dans le grand événement. Oui. Enfin, quand j'étais aussi, je suis plus journaliste. Oui. Mais vous l'êtes toujours. Absolument. J'ai intervenu dans le. Ce que vous faites, la structure que vous avez créée, c'est toujours dans les thèmes. Bien sûr. C'est dans la continuité en fait. Là, on a juste un peu mis en berne les interviews. Ouais. Mais les interviews vont revenir très bientôt. Chasser le naturel. Il revient au galop avec plus d'énergie encore. Exact. Donc là, on est. En fait, la vie subie de cette entreprise résulte d'un événement. Moi, j'ai présenté plusieurs grands événements. Ouais. Et j'ai compris ce qu'il y a à être dans l'événementiel.
Mais pas seulement aider à l'événementiel, aider à l'événementiel avec une touche un coup un peu plus professionnelle. Ça fait que lorsque nous sortons avec nos équipes, lorsque nous nous mettons véritablement au travail, tous nos clients jusqu'à présent, on n'a aucun client qui n'est pas satisfait. Non mais, vous êtes un paquet de journalistes, hein, ouais. Comme on dit au pays. Bon, j'ai une dernière question. Qu'est-ce que vous pouvez offrir à nos frères de la diaspora? Parce qu'ils ont souvent besoin des services sérieux au Cameroun et parfois ils sont floutés, si vous utilisez cette expression, par leur famille, leurs amis et tout. Et là, j'ai cru entendre qu'il y a des trucs que vous pouvez leur proposer. Sachant que vous êtes quelqu'un de sérieux, de critique qu'on connaît depuis longtemps sur Internet, sur le web et tout, avec votre touche particulière, chaque fois que vous mettez, il y a une catalysation de succès qui se passe. Comment vous pouvez catalyser leur succès au pays? Je pense que la première chose que l'on peut leur apporter, c'est d'abord dans le sérieux de ce que nous aimons. Et de ce que nous réalisons. Comme le dit notre entreprise Divine Event, tout ce qui concerne les événements, peu importe la taille de l'événement, peu importe la grandeur de l'événement, nous disposons aujourd'hui d'un équipement très modeste, capable d'animer même un concert. Nous avons des événements que nous organisons, que nous sonorisons, que nous présentons avec beaucoup de professionnalisme. Et ça fait que ceux de la diaspora qui ont des événements ici au Cameroun et qui veulent les réaliser, donc, directement nous contacter. En tout cas, le contact de Romain, tout le monde connaît. Non, non, non. Quand vous parlez avant le docteur, vous parlez. Non, le contact de Romain, tout le monde connaît. Vous êtes sur les réseaux, tout le monde. Bien sûr. Donc, bien sûr. Même les gens avec qui on parle seront surpris que bien sûr. Tout le monde connaît ce monsieur-là. Donc, on va présenter au mari. Donc, et sur le volet immobilier, oui. Je pense que ça intéresse beaucoup de personnes. Oui, bien sûr, c'est également un pan de nos activités. Oui. Nous allons commencer la vente de nos espaces dans quelques temps. Wow. Parce que. Je pense que moi-même, je serai client. Bien sûr, bien évidemment. Ouais, je pense que parce que ce que je pense fondamentalement, c'est que le secteur de l'immobilier est l'un des secteurs. Non, ça continue, je m'arrête. Le secteur de l'immobilier, c'est l'un des secteurs aujourd'hui au Cameroun qui permet de faire des investissements sur le très long terme. Vous le voulez pas, c'est un secteur qui vous permet de faire des investissements sur le très long terme et c'est pratiquement le seul secteur qui, tous les jours qui passent, prend de la valeur. Et donc, c'est un investissement sûr. Je suis sûr que quand vous allez commencer, vous allez nous sortir une condensée de vidéo de 3 minutes qui va permettre de comprendre exactement. Effectivement c'est ça. Comme vous savez le faire. C'est ça, en effet. Donc, mais il ne sera pas seulement de faire ce type de vidéo pour expliquer aux gens, mais il sera également question d'amener les gens au cœur des sites que nous voulons commercialiser afin de leur proposer des images terriennes, des images aériennes. C'est énorme. Pour qu'ils puissent voir déjà de manière complète. Oui. Les terres que nous proposons, comment est-ce que ces terres sont l'outil et tout. Nous avons effectivement des terres que nous allons vendre d'ici peu. Et pour toutes les personnes de la diaspora, ce sera vraiment à des prix très très carrés. Très donc, très carrés. Donc abonnez-vous chez Romaric, hein. Tapez Romaric Tenda. Franchement, ne passez pas par moi. Moi je ne suis que sur les réseaux comme ça. Parce que lui là, c'est une machine. Tapez Romaric Tenda, vous allez le trouver. Même si vous tapez dans quel moteur de recherche Romaric Tenda, vous allez le trouver. Abonnez-vous à ces différents contacts sur les réseaux sociaux et suivez-le parce que justement quand il va lancer, vous savez que quand on sort quelque chose, s'il n'y a que ça, les premières personnes seront ceux qui vont gagner. Parce qu'après, si vous venez. C'est le 102e, le 103e. Il va simplement vous dire que patientez peut-être l'année prochaine. Ouais. C'est comme ça quoi. Donc, c'est ça. Ouais. Donc sur ce, chers amis, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir. Ciao. À très bientôt.